super temps, super soleil, route bien sèche. Là, cette année, on pense qu'aujourd'hui, ça risque d'être humide dans certains endroits. Au moment, il pleut pas, donc bon, ça devrait être un peu limité. Petit retour en arrière avec une victoire à scratch au Rallye Sauveterre de l'Allemance, avec une 16e place au Rallye de Montagne Noire et beaucoup de victoires de classe. Une saison satisfaite, à part la sortie de route il y a 2 mois de ça. Objectif aujourd'hui, rouler tranquillement, se remettre en confiance pour la sortie, et demain, commencer à attaquer pour se mettre vraiment en jambes. Comment devient-on navigateur de rallye ? Mon père m'emmenait voir le rallye d'automne à La Rochelle. Je voyais à l'époque Hugues Delage, je passais avec la BMW M3, et c'est venu de là. Et j'ai toujours voulu faire ça. Maintenant, ça fait 6 ans que je navigue. Et... Lucie est là pour la gagne. Ce sont les tenants du titre derrière. À l'île sur Tarn, sur cette 27e édition de ce rallye des Côtes du Tarn, avec Cyril Lignac, présent aujourd'hui, un passionné de sport automobile. Alors, on connaît Romain Grosjean en Formule 1, qui est passionné de cuisine, et un passionné de cuisine qui vient se tâter un petit peu sur le sport automobile. Alors, racontez-nous un petit peu. Eh bien, c'est une passion que j'ai depuis que je suis petit, puisque forcément, je suis né dans l'Aveyron, donc on a le rallye du Rouergue, et puis c'est un peu une tradition chez nous. Et c'est venu très tard, puisque un jour, avec un copain qui m'a dit, tiens, je te prête ma voiture pour essayer. Donc du coup, j'ai essayé une fois, deux fois, et après, je me suis lancé, j'ai acheté une voiture, et puis je viens de temps en temps m'amuser un petit peu, voilà. Les rallyes comme ça, c'est, voilà, il faut le vivre comme un vrai moment de passionné, de plaisir pour un week-end. Voilà, faisons comme ça, et ce sera très bien. Oh,
belles bagarres. Alors moi, ça me fait jamais vraiment plaisir. Surtout que voilà, on avait décidé de faire un tour assez rapide, le plus rapide possible, ce qu'on avait réussi à faire dans la première spéciale. Et à l'arrivée, quand André nous apprend qu'il a un souci mécanique, on est un petit peu déçus pour lui et que ça mette fin justement à cette belle bagarre. C'est un peu dommage. Pour nous, en fait, avec Rosy, il se passe très bien, puisque depuis le départ du rallye, on est en tête du groupe N, donc ça, c'est quand même l'objectif. Par rapport au classement général, c'est vrai qu'on est quatrième là. Je pense que c'est notre place avec une voiture qui aujourd'hui commence à nous donner satisfaction, quoi. Des spéciales qui nous conviennent vraiment, qui sont vraiment dans notre philosophie du rallye, quoi, avec des belles cordes, des spéciales très rapides. Il fait en général très beau, la preuve. Hier, on croyait qu'il allait pas faire beau, et finalement, il fait pratiquement toujours beau au rallye des Côtes du Tarn. Et voilà, donc tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis cette fois-ci. Fin d'année 2012 qui se termine, et puis premier début et premier gros point de la saison de la Coupe de France 2013. Voilà, exactement. T'as tout résumé. C'est notre deuxième participation à ce rallye. Hier, on était 4 au scratch, 2 secondes de Besson. Puis bon, on l'a passé, il a eu un souci technique, mais on est en train de le remonter. On signe 2 fois le scratch dans Montvalin. À la rentrée du parc, on est à 30 secondes d'André Jézéquel, qui lui aussi abandonne, ce qui nous permet de le propulser à la seconde place. Nous, l'objectif, c'était quand même le groupe N et puis de marquer des points pour l'année prochaine, pour la finale. Ça, c'est fait. Donc, la petite cerise sur le gâteau, c'est cette troisième place au scratch qui fait très plaisir.